Je finis ma clope. Je suis énervé sur la vie de ma mère. Bonjour à tous les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères, les sacs poubelles qui sont pas belles. Sujet de la vidéo, les amis, Manuel Valls, les amis. C'est plus Manuel Valls, c'est Manuel Garce. Voilà. Le mec, c'est une garce. C'est quoi une garce? C'est une meuf qui se déplace selon ses intérêts. Ben, c'est pareil pour Manu. En plus, ton nom de famille, c'est le nom d'une danse. Voilà. C'est comme si moi, je m'appelle Momo Hip Hop. Ta grand-mère, la valse qui danse le tango. Voilà, je voulais te dire ça. Pourquoi je vous parle de lui, les amis? En ce moment, il est en train de se faire tacler par le New York Times. Il se mêle de tout, même des journaux étrangers. Niquez vos grand-mères, les New York Times, qui n'ont pas le Times. Alors, le New York Times, ils ont fait une enquête sur 1200 femmes musulmanes qui habitent en Europe. Et celles-ci ont répondu, elles ont dit, oui, on se sent pas bien, on se sent opprimé, on sent qu'il y a du racisme et tout. Manuel Valls, il dit, vous avez pas interrogé les bonnes femmes, et si, et ça. Mais nique ta grand-mère, nique ta mère, espèce de fils de plume. Voilà, tu te mêles de tout, tu te mêles de tout sur la vie de ma mère, on dirait des cheveux qui s'en mêlent. Voilà, ferme ta gueule un peu. Voilà, ferme-la un peu. Le mec, il a trahi les rebeux. Il a trahi les musulmans de France. Il a trahi les Français. Parce que nous, les rebeux, quand on a voté pour la gauche, on a voté pour le vivre ensemble. On a voté pour la tolérance. On a voté pour le respect des communautés. Et tout ce que tu as fait, c'est de monter les communautés les unes envers les autres. Et je vais le prouver. Tu as commencé avec l'affaire Benzema. Pourquoi tu t'en es mêlé? Personne t'a rien demandé. Je cite les amis, il a dit sur l'affaire Benzema, en tant que passionné de football, En tant qu'ancien maire de banlieue, je suis dans le droit de dire qu'un sportif français doit être exemplaire. Karabatic, il n'est pas mis en examen. Il a été mis en examen, il a été condamné pour escroquerie. Pourtant, il a participé aux Jeux Olympiques, on t'a pas entendu. Didier Deschamps, il a été mis en examen, il a participé à l'Euro, on t'a pas entendu. D'autres sportifs français ont été condamnés, ont participé aux Jeux Olympiques, on t'a pas entendu. Donc ne dis pas que pour les musulmans et que pour les rebeux de France, il n'y a pas de poids, de mesure. La compte de ta grand-mère, le petit poids, qui ne fait pas le poids. Donc voilà, Manuel Valls, c'est ce que je voulais te dire. En plus de ça, pas que ça, pour le burkini aussi t'es venu, pour le burkini frère, même ton gouvernement, ta grand-mère le gouvernement qui n'a pas de gouvernail, même ton gouvernement il ne t'a pas soutenu, François Hollande qui nique sa grand-mère en Hollande, il a dit quoi? Il te soutient pas pour le burkini, Najet Vallaud Belkacem, pardon, elle a dit quoi? Valls a sa politique identitaire, moi j'ai la mienne, tout le monde se fout de ta gueule, t'es en train de t'écarter, t'es en train de vouloir grappiller des voix, tu t'es cru dans The Voice ou quoi mon pote, sur la vie de ma mère. Donc le mec il essaye de faire sa route seule. Il essaye de faire sa route seule, mais en se lançant dans des polémiques, il n'y a pas lieu d'avoir. Tu t'es tapé la honte avec le burkini. Même quand le Conseil d'État a dit qu'il interdisait les arrêtés, t'as dit que le Conseil d'État n'était pas habilité. Ah mais toi, ta grand-mère, elle a habilité ta grand-mère, est-ce qu'elle a habilité à niquer sa grand-mère? C'est ça que je me demande moi. Voilà, tu m'énerves parce que tu nous as trahis. Tu nous as mis un couteau dans le dos. Je cite en 2014, Manuel Valls dit quoi? J'ouvre les guillemets. Les musulmans de France, c'est la France. T'es passé de ça à les musulmans de France niquent la France. Voilà, t'as tout changé, frère. T'as changé depuis. Sur la vie de ma mère, t'as changé, mon pote. Voilà, j'ai oublié de te dire ça. À la base, je t'aimais bien. À la base, tout le monde t'aimait bien. Mais tu t'es mis à dos tout le monde. Ta grand-mère, le dos qui joue au Mikado. J'ai oublié de te dire ça. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Il y a le burkini aussi en Corse. Pourquoi on t'a pas entendu en Corse? Pourquoi t'as pas dit que c'était pas bien? Que la communauté corse qui s'en prenait aux musulmans, c'était pas bien? Il y a un Corse qui a fait une vidéo qui a dit qu'il fallait tuer les musulmans. On t'a pas entendu, les Corses sont allés dans une mosquée en Corse, ils ont démoli la mosquée, on t'a pas entendu. Sur la vie de ma mère, tu t'en bats les couilles des rebeux de France, tu t'en bats les couilles des musulmans de France, tu nous as clairement laissé tomber, t'es en train de te diriger vers une politique d'extrême droite. Sur la vie de ma mère, oh c'est ta fille Marine Le Pen quoi, c'est ta fille, c'est ta maîtresse, tu la niques, dis-nous, la vie de ma mère, dis-nous, ta grand-mère le pupitre, sur la vie de ma mère, ta grand-mère le pupitre qui mange des huîtres, tu nous prends pour des cons, tu prends les musulmans de France et les rebeux de France pour des putes. Alors d'aujourd'hui, c'est la seule vérité. Mais en fait, il y a plein de polémiques. À Nice, quand il y a une policière qui a accusé Cazeneuve, qui a dit qu'il n'y avait pas de policiers, que Cazeneuve lui a demandé de mentir pour les effectifs, t'as dit quoi? Faut que la polémique cesse. Donc toutes les polémiques que tu lances, toi, c'est dans le sens de la France. Mais quand les polémiques, elles vont contre toi, tu dis que c'est un complot. Tu dis que c'est des agitateurs. Tu dis que c'est à but politique. Parce que quand tu parles, toi, c'est à but politique. Tu parles pour les Français. Tu parles pour les biens des Français, toi. Tu es qu'une merde. Sur la vie de ma mère, t'es qu'une merde.
Aussi, t'es parti porter ta kippa et tu dis que les juifs de France peuvent porter avec fierté leur kippa. Mais moi, j'ai rien contre la communauté juive. Mais pourquoi tu dis pas pareil pour les musulmans? Pourquoi tu dis pas sur les musulmans, ils peuvent porter leur barbe avec fierté, ils peuvent porter leur djellaba avec fierté. Les femmes musulmanes, elles peuvent porter leur voile avec fierté. On t'a jamais entendu le dire. Wallah, tu l'as jamais dit. Sur la vie de ma mère, j'ai honte pour toi, j'ai honte pour toi. Et en plus, tu crois gagner un corps. Tu crois qu'un corps qu'on te soutient. Ta grand-mère le soutien-gorge qui se prend des gorges profondes. On te soutient plus sur la vie de ma mère. T'es dans le caniveau parce que t'as plus le niveau. Voilà tout. Donc Benzema, le Burkini, Dieudonné, tu t'en es mêlé aussi. Pour Dieudonné, tu t'en es mêlé. Tu t'es dit qu'il fallait interdire ces meetings. Mais tu n'as pas, c'est pas ton poste. Tu comprends, ta grand-mère, le poste qui écoute le poste radio, ce n'est pas ton rôle à toi. On te demande pas de te mêler. On te demande de gérer l'intérieur du pays. Tu comprends ça? Oh, t'es ministre de l'intérieur. T'es pas ministre de Benzema. T'es pas ministre des musulmans. T'es pas ministre de l'injustice. T'es ministre de l'intérieur. Donc tu dois t'occuper de l'intérieur de la France. Toi, la seule chose que tu t'occupes, c'est l'intérieur de ton trou du cul. Tu penses qu'à ça. Sur la vie de ma mère, tu penses qu'à ça. T'es là, la France garantit une égalité des religions et on te voit porter une kippa à l'Assemblée. À l'Assemblée, mon pote, c'est là que t'as trahi les rebeux. Pourquoi je dis qu'en portant une kippa, il a trahi les rebeux? Parce que 100% des rebeux en France, ils sont pro-palestiniens. Ils sont pas anti-juifs. Ils sont pas racistes. Ils ne veulent pas la destruction de l'Israël, mais ils sont pro-palestiniens. Donc, dans le sens où tu mets une kippa, ce qui veut dire que tu soutiens l'Israël et tu sais que tous les rebeux soutiennent la Palestine, t'as trahi les rebeux, t'as trahi les musulmans. Avec le Burkini, t'as trahi les musulmans aussi. Tu parles de agir au nom de la France, tu parles de agir au nom des Français, de l'intérêt des Français. Pourquoi quand les Français sont tous allés dans la rue, pourquoi les Français, quand les travailleurs français sont tous allés dans la rue pour manifester pour la loi du travail, pourquoi tu as dégainé, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois, l'article 49.3, trois fois tu l'as dégainé. Ta grand-mère qui dégaine, qui n'a pas de dégaine. Voilà, je suis obligé de dire ça. T'as fait passer la loi de force, putain. Les Français la voulaient pas cette loi, tu l'as fait passer de force. On est revenu en période de monarchie absolue, comme s'il y avait un roi qui avait les pleins pouvoirs, vos grands-mères, les monarchies absolues qui boivent de la vodka absolue. Voilà, tu te mêles de tout, putain, tu te mêles de tout à part de ton propre travail. Ton propre travail, tu le fais pas, tu cherches à compléter le travail des autres. Mais sur la vie de ma mère, on dirait une commère, on dirait une femme arabe. Voilà, les mamans arabes qui sont au quartier, qui mangent des pépites et qui critiquent les enfants des autres. Voilà, tu me rappelles ça. Toi, t'es pas Homer Simpson, toi. Toi, t'es commère Simpson.